Et salut, salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'assez spécial, comme vous pouvez le voir, puisque nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Le 41e Tenkaichi Budokai a commencé à l'occasion du 7e anniversaire qui arrive la semaine prochaine. Et du coup, je voulais faire vite fait une vidéo. Voilà, je vous fais défiler toute l'émission. Alors, c'est pas. Je ne joue pas en même temps que je commente, c'est quelque chose qui a été filmé en avance. J'ai pas pu enregistrer ma voix à ce moment-là, donc je parle par-dessus. Je vais faire quelques games. Le temps de vous expliquer ce qui va se passer. Alors, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis un petit moment, pour la simple et bonne raison qu'on était tous très occupés. Ça va commencer à revenir, mais d'ici là, on va faire une petite période, on va dire, de pas de remplissage, mais de trucs un peu plus légers, un peu plus faciles à faire. On travaille toujours sur la prochaine parodie en vrac. Mais pour l'instant, on va faire un peu plus de vidéos gaming comme à l'ancienne. Il y aura un petit peu du Fall Guys qui va arriver, peut-être du Among Us, je ne sais pas. De mon côté, personnellement, je vais faire pas mal de Dokkan. Je vais essayer de couvrir le 7e anniversaire. J'ai jamais fait de Dokkan sur la chaîne, pourtant c'est un jeu auquel je joue moult et moult jours et moult et moult heures. Donc ça sera peut-être assez intéressant d'en parler, j'ai pas mal de choses à dire. De choses à montrer, etc. On pourra faire des invocations et tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte à partager. Donc, on verra bien comment ça se passera. Donc, ne vous étonnez pas si prochainement il y a beaucoup de Dokkan. On n'a pas abandonné le reste du contenu, rassurez-vous. C'est juste que, voilà, j'ai envie de produire un peu plus de contenu. Ça me dérangeait un peu de voir un peu de manque de vidéos sur la chaîne depuis 6 mois. J'avais envie de produire du contenu de manière rapide sans pour autant qu'il soit fait à l'arrache, hein, mais voilà. Qu'est-ce qui est au programme? Et bien, très simple, aujourd'hui, donc vous avez ce magnifique, magnifique vidéo un peu farm du TB et en même temps explication. Demain, il y aura le showcase du Goten Endurance qu'on avait au début qui est sorti avec ce tournoi. Que j'ai déjà tourné au moment où je parle, j'ai déjà tourné cette vidéo là. Ensuite, il y aura 5 autres vidéos sur ma box pour vous la présenter un peu plus en détail, histoire d'avoir un petit aperçu avant du 7e anniversaire pour qu'on puisse faire un petit bilan à la fin. Donc lundi, ce sera la box côté agilité. Mardi, technique. Mercredi, intelligence. Jeudi, puissance. Et vendredi, endurance. Je serai en vacances, donc j'aurai pas le temps de couvrir le début de la célébration. Mais je serai là pour les invocations. Alors pas le jour même, pas le 9, pas le samedi 9, mais le dimanche 10. Il y aura les invocations. On mettra plus de 800 DS choper les SSJ God que vous voyez à gauche sur la bannière. On essaiera de les choper. Peut-être les SSJ 4 après s'il me reste des pierres. En tout cas, l'objectif pour moi, ça va être les SSJ God. Que le portail est plus intéressant pour moi, je vous ferai une rapide explication quand on aura le portail et enfin une petite analyse avant d'invoquer. Mais voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Pas grand chose, si ce n'est que voilà, il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir. On va profiter de l'été pour faire du contenu. Donc là, je profitais de partir en vacances pour prendre un peu d'avance histoire de faire du contenu un peu facile, certes. Mais voilà, du contenu Dokkan. Moi c'est quelque chose qui me plaît. Je joue au jeu depuis plus de 6 ans, etc. Donc j'aime pas dire que je suis un vétéran, mais j'ai suffisamment de connaissances et de contacts avec le jeu pour me permettre d'en parler, d'y jouer, etc. Pour vous, voilà. Peut-être qu'on abordera du coup pas mal le 7e anniversaire. J'essaierai de couvrir surtout cette période. On verra après si je continue. J'essaierai peut-être de faire les millions de téléchargements après au mois de septembre-octobre. Mais voilà, ça sera sympa à faire. Ça fera du contenu. En attendant de pouvoir filmer des trucs avec les copains. Et voilà, on fera les missions du Goku Rush et du Vegeta Rush. On couvrira la Red Zone également. On couvrira à peu près tout ce qu'il y a à faire. On testera les unités free-to-play, les payantes si on les drop. Alors si je les drop pas, je les testerai uniquement en ami leader. Mais voilà, ça sera intéressant, je pense, à faire et à regarder, pourquoi pas. Écoutez, je vais pas vous embêter plus. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, je pense. Merci à beaucoup d'avoir regardé.
on se retrouve du coup demain pour le début de ces vidéos là avec le showcase du Goten Endurance. J'espère que ça vous plaira et que écoutez ça ramènera un peu de vie là-dedans et tout. C'est vrai que c'était un peu terne ces derniers jours, enfin ces derniers mois même. Voilà, on bosse toujours sur la parodie en vrac. C'est très compliqué à faire à cause du manque de personnel, etc. C'est beaucoup de travail. J'essaye et les autres aussi de s'y donner à fond. Malheureusement, il y a toujours des imprévus et puis faut combiner à ça les études, etc. Les études, le travail, tout ça. Donc c'est assez compliqué de trouver des horaires pour pouvoir enregistrer. Après, moi, il faut que je monte derrière, il faut que j'ai le temps. Et c'est quand même assez long. En comparaison, si je peux donner pour la première vidéo, on avait mis presque un an à tout faire. Alors, cette fois, on aurait pu faire moins de temps si on n'avait pas été aussi dépassé par les cours, etc. Mais en termes de réalisation, rien que le montage, ça me prend facile deux bonnes semaines. Parce que déjà, je peux ne le faire que le soir, quand j'ai du temps libre. Donc, c'est assez restreint. Et j'y passe plus d'une trentaine d'heures, le montage. Donc, c'est quand même... assez long. Voilà. Donc pas d'inquiétude, hein. Le contenu n'a pas disparu, la chaîne n'est pas morte, on est toujours là, on va revenir en force d'ici les prochains jours. En tout cas, moi de mon côté, je vais tout faire pour. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu, même si bon, c'était pas du grand contenu. Et on se revoit très bientôt pour la suite. Allez, des bisous, ciao.